The Morgue. Quel nom original. Hey yo les crocs, c'est Tushikro, bienvenue aujourd'hui sur The Morgue, un nouveau indie horror game Kickstarter T comme d'habitude, en alpha comme d'habitude, le jeu ne sortira jamais comme d'habitude et il sera certainement abandonné dans 2 semaines comme d'habitude. Mais on va quand même y jouer parce qu'il a l'air plutôt intéressant. Je dis ça, j'y connais rien, j'ai même pas vu de vidéo de gameplay. Donc en fait ça tombe, il va peut-être totalement puer la merde. Mais écoutez, on va tenter ce soir les crozes de jouer à ce jeu. Donc écoutez, bah c'est parti. Ah regardez, ça s'allume quand on... Ah c'est marrant ça. Ça c'est les petits détails qui font que c'est pas de l'amateur. Là on a affaire à un jeu de pro les crozes. Play. Hayden, can you hear me? I can only hope that you can. So listen up. When you emerge, go down the flight of stairs, and straight in front of you there'll be a door that leads to the courtyard. Now inside of the bushes, I hid a radio transponder. Pick it up and talk to me, and I'll give you further instructions on how to get out of here alive. On dirait qu'on est allongé. I gotta get going. The professor's coming. D'accord. Bon, j'ai pas du tout compris. En plus, y a même pas de sous-titres. Oh la vache! En route vers l'enfer, les crozes. Ça, c'est quoi ce bruit? On est sur un train. Un train à fusion. Ok. Ah. J'ai peut-être compris. Vu que le titre s'appelle The Morgue, est-ce qu'on serait pas... Et voilà. Je m'en doutais. En fait, nous sommes à la morgue. On est peut-être mort, je sais pas. En tout cas, on est sorti de notre... Ok. De notre espèce de cercueil... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, dans la morgue, les lits, là, qu'on met dans des casiers, je sais plus. Bref, on en est sorti. Donc, nous sommes vivants. Bah, écoutez, plutôt pas mal, tout ça. Alors, où est-ce qu'on est? En fait, c'est où est-ce qu'on atterrit? Un espèce de manoir. Ah, avec une jolie photo du Slender. Le Slender en notre compagnie, ce soir. Ça, c'est plutôt cool. Je me prépare, parce que je sais très bien qu'il va se passer quelque chose dans les 10 prochaines secondes. Hello ? Personne ? Bon, je continue. Je n'ai pas de lampe. Oh là là, il y a des grincements de bois dégueulasses. Ok. Bon. Pour l'instant, tout est calme, les crozes, rien à signaler. RAS, comme on dit dans le jargon. Est-ce qu'on peut ouvrir les portes ? Oui, on peut. Ça a l'air assez grand. Hein. On peut sortir ? Non, tu déconnes. Ah. I found the transponder. What do you want me to do ? Excellent, Hayden. Okay, listen up. There's 4 floors to this building. At the very bottom, there's a sewer system. Oh! That's your escape. C'est quoi ça? Now, all the power's been shut down besides the emergency generators on each level. You'll have to activate them to get the elevators to work. Once activated, take the elevator to go to the next section and repeat the process till you get to the sewer systems. J'ai compris. I'll be waiting for you in the very bottom floor. Good luck. Good luck. Oh, and one more thing, Hayden. If you hear anyone, just hide. Who knows what's going on in this facility? Ok, bon, j'ai à peu près compris. En gros, le monsieur essaie de nous dire qu'il faut activer donc un espèce de générateur pour réactiver l'ascenseur qui est ici, pour qu'on puisse ensuite monter d'un étage. Et il faut faire très attention parce que quelque chose dans ces couloirs est là. Quelque chose nous regarde, quelque chose nous suit, quelque chose va nous peut-être nous tuer. Et donc il nous dit bonne chance et surtout fais attention. Fais attention à ta gueule. Qu'est-ce qui se passe là? Oh. What? Ok, c'est tout? Bon, ça a l'air d'être tout. Bon, est-ce qu'on peut pas le prendre ce dessin là? Non, en gros cette pièce ne sert à rien. Je me casse. Putain, je trouve que les bruits de porte quand elles sont fermées sont trop flippantes. On dirait les pas d'un gros monstre. Bon, écoute, on va retourner en arrière du coup. Essayer de trouver le... Oh, un rat. C'est plutôt une souris. Bon, très bien, on va les suivre. C'est peut-être un indice, les crozes. Suivons les rats. Où est-ce que les rats vont nous mener? Bon, elles vont un peu n'importe où, donc
Il y en a juste deux là qui se sont dit ah bah je vais m'éloigner du groupe, je vais essayer de l'aider. Ah bah non, pas du tout en fait. Elles sont juste folles. Elles sont juste tarées. Mais c'est bien fait, les rats sont bien faits. Et ça c'est une chose très importante à retenir. Ok, on va aller par ici, cette porte vient de s'ouvrir. Ça me paraît être un un couloir assez sympathique. Ah, le voilà. Ok, ça doit être ça. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh putain, c'est bon, on l'a activé. Yes, allez. Oh, 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 oh. Encore des rats. Saloperie de rats. Alors, ici nous avons les chiottes, les crocs. Je vous présente les chiottes de la morgue. Bon voilà, on a fait coucou aux toilettes. Maintenant, on se barre, on va descendre ici. La la li la li la la. Ah, ça c'est le genre de truc. Je suis pas très fan d'habitude, mais bon. Oh, un rat mort. Ah non, il est vivant, il respire. Il respire. Est-ce que vous êtes prêts, les crocs? Nous allons vivre une expérience assez troublante. Mais je compte sur vous pour être avec moi dans cette épreuve. Dans cette épreuve très difficile. Il va se passer un truc, c'est sûr. On va ramasser ce machin. De toute façon, il faut le ramasser. Ah, ok, 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 je m'en doutais. Vite. Là, je suis perdu, ça y est. Ah! Mais cours! Il y a eu des bras. Oh, 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 oh. À mon avis, c'est par là. À mon avis, c'est dans ce couloir. Bon, bah, on y va. Ok, à gauche. Il y a du rouge. Il y a même beaucoup de rouge. Ah. Oh, wow, 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 wow. Ok, nickel. Nous venons d'activer encore une fois un générateur. Ce jeu est palpitant, je vous le dis. En plus, il est gratuit, donc vous pourrez le télécharger. Et ça, c'est génial. Vous allez vous amuser. Vous allez passer des heures là-dessus, les crocs. Vous allez me remercier. Oh là là là. Vite, on va monter là-dedans. Merde. Ok. Ah, c'est pas les autres droits. Non, pas du tout. Une lampe torche. Wouhou, yes. On a une lampe torche. Et nous sommes de nouveau dans une morgue. Pas cool, pas cool, pas cool. Oh là 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 là. Alors, j'ai eu l'impression, quand l'ascenseur est tombé, voir quelqu'un. Je mettrai peut-être ça en ralenti, je suis peut-être en train de me planter, mais je pense avoir vu quelqu'un. Bref, regardez où on est. Je pense qu'il n'y a pas plus glauque au monde. C'est horrible. Oh là là, encore les bras. Encore les foutus bras. Il n'y a personne. On continue. Des crânes, super. Allez, allez, on court. Putain, on est où? Dans les catacombes de la morgue. Dans la morgue de la Moria. Encore un rat qui squatte la table. Ah bah lui, il est mort, il respire plus par contre. Alors, il y a un gros problème là. C'est pas moi. C'est pas moi qui marche, les crocs. Alors là, il y a un problème, c'est que au début du jeu, on nous a dit, fais attention si tu croises quelqu'un. S'il y a quelqu'un et il ne faut pas que tu le regardes, sinon il va te tuer. Donc il y a quelque chose dans ce jeu, mais je l'ai pas encore vu. Et ça, c'est très problématique parce que ça me fait flipper. Ah, un générateur ici. Putain, on peut pas les activer. Bon, on a trouvé deux générateurs et il nous faut certainement une clé. Ah, il y en a un qui est rouge. Yes. Et de 1. Là, ici, 2. Et de 2. Et de 3. Ah. Oh mec. Oh mec. Oh mon dieu, c'est affreux. Ok, c'était une espèce de femme enceinte, anorexique, brûlée, vive, au 3ème degré. Enfin, plutôt au 50ème degré, là. C'était c'était pire que de la brûlure, c'était dégueulasse. Ok, donc il y a bel et bien un truc, ça y est, le jeu commence à prendre vie. Après 15 minutes de vidéo. Ouais, c'est bon, nickel. On les a tous.
Donc logiquement quelque chose a dû s'activer. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu, 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 oh mon dieu. Ok, ok, ça me suit. Oh, je suis mort. Non, 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 viens pas, s'il te plaît, viens pas. Je t'en supplie, ne viens pas. Il y a encore des putains de bruits de pas de souliers, là. Il y a des bruits de talons, les creuses. Bon, on va essayer d'y retourner. Ouais, vous savez quoi? Faut porter ses couilles, hein, les creuses. À un moment, il faut porter ses couilles et y aller. Allez, nickel. Oui, ça s'est ouvert ici. Ça s'est ouvert ici. Ouais, nickel. Ascenseur, parfait. Yes. Hop. Oh, 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 t'es dégueulasse. Oh, t'es dégueulasse. Eh, c'est pas beau, ça? We walk with love for our country. To honor our grannies and sons. Et c'est fini. We walk for an end to corruption. To the will of the okay. People. Ok. Eh ben écoutez, Cross, c'est la fin de The Morgue. Bon, c'était pas. Vous le savez, hein, c'était pas dingue. Bon, la fin était un peu mieux que tout le reste du jeu. Même si j'ai absolument rien compris à l'histoire, le lien reste disponible dans la description, les creuses, si vous voulez le télécharger et y jouer, il est gratuit, profitez-en. Je vais vous dire, en ce moment, c'est un peu la crise des jeux d'horreur, je trouve. Il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la main. J'essaie de trouver ce qu'il y a sur le net. Voilà, j'espère quand même que ça vous plaît. Bon, c'est pas fou, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Sur ce, les creuses, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, ça me ferait comme d'habitude fortement plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Oh putain, attendez, c'est pas fini. Attendez les creuses, ce n'est pas fini, il se passe un truc. Ok, donc après les crédits, on nous emmène vers un long couloir. Alors ça, par contre, c'est très rare. Dans un jeu d'horreur de ce genre, les mecs, ils foutent les crédits, basta. Tandis que là... Attendez, c'est intéressant. Il va peut-être se passer un truc de surnaturel, là. Qu'est-ce que c'est? Une chaise, au fond, d'accord. Alors, qu'est-ce que... Ok. Oh, la vache! Ok, Cross, bon bah c'était pas grand chose au final, mais bon. Allez, moi je vous laisse ça, à très bientôt pour de prochains horror games, et ciao!